Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Merci de recevoir l'OACTB dans votre bureau, symbole du siège de vos inspirations, de vos réflexions et surtout de vos décisions. Pour moi, c'est un privilège dont je ne saurais abuser en ces temps difficiles. Mais d'abord, je voudrais me rassurer que vous êtes en pleine forme et que nous aurons un bel entretien. Je vais bien, madame, et merci. Alors, Monsieur le Président, depuis des semaines, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, est confronté à un choc sanitaire sans pareil pour notre génération. Et pourtant, vous êtes resté muet. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Madame Kedja, vous avez dit choc sanitaire et vous avez bien raison. La situation sanitaire et le risque sanitaire auquel nous soumet le coronavirus sont préoccupants. Sinon, très grave. Mon gouvernement et moi-même avons pris la mesure de l'enjeu. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit. Minute après minute, je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. La collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme, la stratégie et la mise en œuvre d'actions, le suivi et l'évaluation des recommandations et des opérations. Je sais combien il est indispensable, utile de parler pour expliquer, pour rassurer, et obtenir l'adhésion de tous à la stratégie et aux décisions. Mais, madame, sachant que la plupart des Béninois, de mes concitoyens, nous font confiance, j'ai consacré mon esprit à l'analyse sereine de la situation et de toutes ses implications. C'est pour moi l'occasion de remercier l'ORTB de me donner l'occasion de vous dire, madame, à vous et à mes compatriotes, que la situation est vraiment grave et que le risque est grand. Mais rassurez-vous, madame, je voudrais pouvoir rassurer mes compatriotes que empêcher le coronavirus de se propager au Bénin et d'y faire beaucoup de victimes est à notre portée. Les actions engagées par le gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de nous faire gagner si chacun de nous joue bien sa partition. Mais, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas que votre gouvernement et vous-même avez manqué de promptitude dans la prise de décision et surtout que celles-ci ne sont pas aussi radicales qu'elles auraient dû être? Madame, la ligne de conduite du gouvernement est la définition et la prescription pertinente des actions et mesures de la riposte, ainsi que leur timing réaliste de mise en œuvre. Pour donner des résultats palpables, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même degré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés dispose d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses. Et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action,
déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Je vous donne un exemple. Contrairement aux citoyens des pays développés, d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie, d'Europe, la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Combien de personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre 2, 3 semaines, 4 semaines, même sans travailler, et vivre des revenus du mois? Combien? Comment peut-on donc, dans un tel contexte, où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, comment donc peut-on décréter sans préavis un confinement général de longue durée? Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec sens de responsabilité et discernement. Nous verrons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Alors finalement, Monsieur le Président, quelle est votre intime et profonde conviction par rapport à ce qui nous attend à court et à moyen terme? Madame, ce que je voudrais dire à mes compatriotes est que la menace est sérieuse. Elle est grave. Mais que nous avons collectivement les moyens d'y faire face. Notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Elle est entre les mains de chacun d'entre nous, pris individuellement. Chacun de mes compatriotes, vous et moi, pris individuellement, est responsable désormais de notre survie. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de moyens, de beaucoup d'imagination. Il nous suffira simplement, à chacun, de respecter les mesures, les prescriptions qui ont fait leur preuve par ailleurs. Cela nécessitera, c'est sûr, beaucoup de sacrifices. D'énormes sacrifices pour certains. Mais à la fin, chacun sera fier d'avoir joué sa partition, d'avoir lui aussi payé un certain prix et d'avoir vaincu lui aussi le coronavirus. Nous sommes une grande nation. Nous allons une fois encore en donner la preuve en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât. J'y crois. J'invite mes concitoyens à y croire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux le répéter, les moyens d'y parvenir sont à notre portée. Ils dépendent de chacun de nous. Nous sommes capables chacun de les mettre en œuvre, de les respecter avec juste un peu de volonté, de la discipline et l'envie, la volonté de consentir chacun un peu de sacrifice pour nous, pris ensemble et pour nous individuellement. Madame, mais ma conviction pour demain est que chacun de mes Béninois est capable de respecter les mesures, de faire l'effort qu'il faut. Ma conviction pour après-demain est que nous allons gagner et que nous allons continuer notre marche vers le développement.
Monsieur le Président, ce fut un plaisir de nous entretenir avec vous. Je vous remercie. Merci, madame. Et je vous invite à donner l'exemple autour de vous. Et si chacun de nous peut faire pareil, faire ce qu'il faut, ce qui est prescrit, et en donner l'exemple, nous allons collectivement y arriver. Merci, madame. Monsieur le Président. Oui.